Le ministre national de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, a eu un échange fructueux dans la langue locale avec les opérateurs agricoles sur le mécanisme de renforcement de la campagne sur terrain afin de trouver les résultats escomptés. Cette activité a eu pour cadre la salle de réunion du gouvernorat de province en présence des membres du gouvernement provincial et des opérateurs agricoles du Kasaï oriental ce dimanche 15 octobre, tard dans la soirée. Tout a commencé par le mot de la gouverneure de province ad intérim du Kasaï oriental qui s'est exprimée en ces termes. Au nom de mon gouvernement provincial, celui de la population du Kasaï oriental et à mon nom personnel, je viens par ce petit moment remercier son excellence M. Antoine Séré de Toulombo, président de la République et chef de l'État, qui, dans sa vision du peuple d'abord, a pensé à mener au secours de l'agriculture priorité de priorité, en dotant notre province des intrants nécessaires pour l'amélioration de la production agricole ainsi que plusieurs autres matériels importants, dont notamment l'eau de moto. Cela est concrétisé par votre arrivée dans notre province, accompagné de ces lots de produits qui vont soulager nos opérateurs agricoles ainsi que toute la population. Recevez pour cela tous mes remerciements sincères. Ensuite est venu le tour du ministre national, José Mpanda Kabangu, qui s'est exprimé en ces termes. Le Kassari qui est tout, qui doit voir Kafila, Matala, bien tout bien suivi, c'est mon Kassari, le bon français, mon ukrainien qui colle. Et bien soit bien, c'est plus fou. Tu vois le Kai, ou un tout, ou un Dokuneku, l'Indam ou un Mana, à Majimi, l'Indam ou un Semans. Indamboa ma matériel aléatoire, ni moyen qu'un pandemon qui est une nationale, ma moniteur agricole, accompagne. Tout dit, beaucoup d'anisha, tout le monde d'abord conférence, mon énorme distance, tout le monde qui est bon, ni DLC Agri Business, bon, ni conférence en bonjour, je bon, ni tout le monde, je bande, tout le monde, ben, on ni comme moi qui sais que dit, ou ni malaba. Ou une bantou, ou une condition climatique, ou une condition environnementale, une ligne, il va pas être mis. Peut-être qu'on a une conférence à une initiative, ou une même, sous le patronage du président de la République, les collègues, ou une ministre de la Finance, ou une loi, ou une bantou, ou une bantou, ou une makouta. Au moment où je suis dans beaucoup de lois, mon corps va investir au Malab, comme je vais investir au Kasaï oriental, au Canada. José Mpanda Kabangu a demandé pour que ces mécanismes conduisent à la formation d'une commission mixte chargée de suivi de la campagne agricole en province. La commission est constituée d'au moins 8 membres venant du ministère national de l'Agriculture, du gouvernement provincial et des organismes privés des agriculteurs. Avant la composition de cette commission, quelques opérateurs agricoles ont présenté leur desiderata au ministre national de l'Agriculture. Ma village est 11. Du moins, quoi, mais le couteau a déjà. Gouvernement, Babidine, Baliba Benjamin, Babidine, tout Moutissad, Mouinjé, pour Banque Bouche. Hadiba Fison Moutissad, Moudinjaman, tout à chaque jour pour moi, tout moi, Mbani, Bidi Hamout, Bidi Tabidi Mouinjé, Mouabouna, Benedjama, Baliba Babidine, Bakomersan, Baliba Babidine, Bakouos, Baliba Babidine, Bidi Abou, du bon niveau, de tête que tu n'as pas de tôt, Baliba Enzimich, Baliba Enzimich, Baliba Enzimich, Baliba Enzimich, Baliba Enzimich, La commission formée sur place a reçu mandat de se rassurer sur terrain de la remise équitable de matériels agricoles du petit planteur aux producteurs ciblés. Cette commission qu'on va mettre en place ici, qui va pouvoir gérer tout ça, une commission
Et puis après, on va demander les comptes à la commission qui est composée en priorité des paysans privés. C'est eux qui vont pouvoir répondre. Vous parlez de fond de population moyenne. Dans la vie, on va dire, vous qui va aller au moyen. Toi, tu vas échouer. T'es tout le monde, tu vas échouer. Toi, c'est d'abord un privé qu'il fasse aussi, qu'on voit ici, peut faire. Mais nous devons les accompagner dans ce que nous devons faire. Et c'est ça la décision du président de la République. Et c'est ce qu'il nous a demandé de pouvoir faire. L'objectif est de permettre à tout un chacun de contribuer aux efforts de l'éradication de la crise alimentaire dans la province chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. José Mpanda Kabangu a aussi profité de l'occasion pour louer les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le social des Congolais avec le projet des hautes factures.